Bonjour à tous, je suis Guillaume Héral, donc je suis ingénieur ITBM, j'ai 30 ans. Sébastien Salmon, j'ai 34 ans. Je m'appelle Boris Lemaire, j'ai 29 ans. ECFA, c'est Energy Kit for All. L'entreprise ECFA est un projet de donner de l'électricité aux gens qui n'ont pas accès à l'électricité. Ça se matérialise avec ce qu'on appelle des kits off-grid. Donc en fait, c'est basiquement des batteries. Ces batteries sont donc chargées et permettent d'alimenter, donner de la lumière à des gens qui n'en ont pas accès et à charger par exemple des téléphones ou même jusqu'à donner la télévision. Les kits EKFA sont novateurs parce que nous sommes les premiers à utiliser une technologie de stockage à base de supercondensateurs. Les avantages en usage sont le fait de pouvoir être chargé excessivement rapidement. Deuxième point qui est plus intéressant en termes d'usage, c'est qu'on va pouvoir charger des mini-kits qui sont des petites baladeuses veilleuses. Celles-là, on peut les charger à partir de ce kit-là en quelques secondes. EKFA, c'est une start-up qui il cherche à développer une nouvelle solution d'électrification en utilisant des technologies, des ressources qui n'ont pas d'impact négatif pour l'environnement. Alors, la différence entre notre solution à base de supercondensateurs et des batteries, on ne va pas utiliser de terres rares, on va limiter les problèmes de recyclage et on va avoir une durée de vie qui est largement supérieure à 20 ans. Sur ce projet, on en est dans la phase où on est en train de développer notre produit final. On espère, début 2020, avoir nos premiers produits utilisés au quotidien. À plus long terme, c'est de construire finalement une entreprise qui profite aux personnes que l'on va employer, par exemple des personnes en réinsertion ou personnes handicapées. On veut s'inscrire vraiment dans une économie en fait sociale et solidaire. ITBM nous a permis de nous rencontrer, d'avoir les connaissances d'ingénierie, de gestion de projet, d'entrepreneuriat pour permettre de lancer dans ce projet-là, dans cette entreprise. Le fait qu'on se connaisse tous, c'est clairement grâce à l'UTBM. Ça nous a permis de nous réunir et sans l'UTBM, on n'aurait jamais eu ce groupement de personnes. Le message que j'ai envie de faire passer aux étudiants ITBM, c'est juste que n'ayez peur de rien, réalisez vos rêves, foncez et n'ayez pas peur de vous lancer, quoi.